Isabelle Leyer, bonsoir. Comme chaque mardi et malgré le confinement, un point avec vous sur la culture qui continue car certains s'adaptent et vous nous emmenez donc d'abord au festival. Oui, amis festivaliers, ne rangez pas vos casquettes. Le printemps de Bourges aura bien lieu. En ligne, évidemment. Les programmateurs l'ont donc rebaptisé le printemps imaginaire. Ils ont proposé aux artistes initialement programmés de participer sous forme de carte blanche, un concert, une chronique, une interview, bref, tout ce qu'ils veulent. Et donc, on aura la chance de pouvoir retrouver Alain Souchon, Catherine Ringer, Yael Naïm, Philippe Catherine, Ayo, bref, ils sont 80. Toutes les informations et l'accès, c'est sur le site printemps-bourges.com. Donc en fait, ça se passe du 21 au 26 avril. Donc ça a commencé ce soir avec en ouverture Renan Luce et son orchestre philharmonique. Et nous, on a de la chance parce qu'on a pu vous avoir un extrait de sa reprise de Barbara, la chanson du bout des lèvres. Écoutez, c'est magnifique. Dites-le-moi du bout des lèvres. Je l'entendrai du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve, je rêve. Oh, dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur. Et je peux continuer mon rêve, mon rêve. Que l'amour soit à mon oreille, doux comme le chant des abeilles, en été un jour au soleil, au soleil. Voilà, c'est très joli. Une idée originale à présent, Isabelle, et je dois l'avouer, j'aimerais bien que ça m'arrive des comédiens qui vous appellent chez vous pour vous faire la lecture. Oui, ça peut vous arriver, je vais vous expliquer. Donc c'est une jolie initiative du Centre dramatique national de Tours qui l'ont appelé des mots au creux de l'oreille. En fait, des comédiens vous appellent pour vous lire, chez vous au téléphone, pour vous lire des extraits de poésie, de littérature, de théâtre. Alors, comment faire pour vous aussi participer, Martin et vous qui nous écoutez comme les 250 premiers chanceux? Eh bien, c'est simple, il suffit d'aller sur le site cdntour.fr, vous vous inscrivez, vous mettez vos disponibilités, vous allez être rappelé par un des 5 comédiens qui participent à l'opération. C'est encore une super belle initiative pour nous relier les uns aux autres à travers l'art. C'est beau de le saluer. Et moi, je vous propose tout de suite de regarder comment ça se passe avec la comédienne Garance. Oui, bonjour. Je suis comédienne du Théâtre Olympia et j'appelle pour les lectures. Ce que je vous propose, c'est de vous lire un poème d'un poète qui s'appelle Jean Rictus. C'est des poèmes que j'aime beaucoup et il a écrit sur les gens pauvres, sur le peuple, quoi. Et il a écrit en argot parisien de l'époque. Donc le poème s'appelle « La Charlotte prit Notre-Dame durant la nuit du réveillon ». Je suis fauchée à mort, vous savez. Mes poignets, c'est plus qu'une crevasse et me voilà ce soir sur le pavé. Si j'entrais me chauffer à l'église, on me foutrait dehors, c'est couru, ça se voit trop que je suis fille soumise. Oh ! Mente, pardon, je viens de dire foutu. Voilà, c'est sympa et c'est original de la musique. Encore, Isabelle, un album hommage au grand, au très grand Serge Gainsbourg par des artistes qui revisitent ses chansons cultes. Oui, l'artiste nous a quittés il y a 29 ans déjà. Il avait 62 ans et pourtant son souvenir reste intact dans le cœur des Français qui vont donc évidemment avoir beaucoup de plaisir à le retrouver. L'album s'appelle Monsieur Gainsbourg Revisité. Donc 28 artistes français et internationaux qui chantent en solo, en duo, en trio. Parmi eux, on va retrouver Jane Birkin, évidemment, Franz Ferdinand, Françoise Hardy, Placebo, Carla Bruni, Portichette, The Kills, etc. Ils revisitent donc 16 des plus grands hits du grand Serge, chacun à leur manière, donc c'est souvent très original, toujours hyper inspiré. C'est un très très joli album. En fait, il était déjà sorti en 2006 et il a été enrichi pour cette occasion-ci. Ça sort donc le vendredi 24 avril, vendredi, et moi je vous propose tout de suite d'en avoir un avant-goût. I love you. Oh,
C'est un cadeau que vous nous faites, Isabelle, avec cet avant-goût. Encore de très belles choses ce soir. Si certains sont arrivés en cours, on résume. Oui, 80 artistes du Printemps de Bourges réinventent la formule du festival en ligne avec le Printemps imaginaire. Laissez-vous envoûter par des mots au creux de l'oreille, des lectures téléphoniques proposées par le CDN de Tours. Et enfin, 28 artistes français et internationaux explorent les chansons du Grand Serge dans l'album Monsieur Gainsbourg Revisited. Et on vous retrouve mardi prochain, Respiration offerte par Isabelle Leyer.